Hey, coucou YouTube, c'est la première vidéo de cette chaîne. Aujourd'hui, on est sur du FIFA 23. Qu'est-ce qu'on s'est fait? On s'est fait un petit club, une étoile, une demi-étoile, 1 million de budget transfert. Et puis pas grand-chose d'autre en fait. Les transferts en sévère, donc ça veut dire qu'il va pas se passer grand-chose. Beaucoup de joueurs vont nous refuser. On va aller voir côté des libres. L'objectif est simple, on part en Ligue 2 avec une demi-étoile, 1 million de budget de transfert, et l'objectif, c'est de rester en Ligue 2. Bon, il n'y a pas de relégation sur FIFA 23, mais l'objectif, c'est de ne pas finir dans les relégables. On finira peut-être au milieu de tableau, peut-être pas trop mal classé. Bref, je vous laisse voir ça. Profitez bien. Si vous voulez quelques petits conseils transfert, regardez. Suivez-nous, TikTok, un petit like, un petit commentaire, un petit pouce bleu, etc., etc. Je vous laisse faire. Nous, on se retrouve en live tous les mercredis, tous les vendredis soirs pour du FIFA et éventuellement d'autres jeux. Salut! Bon, ça y est que la saison là en Ligue 2 va être compliquée parce qu'on a les gros clubs hein, là, cette saison. Alors, créer un nouveau manager. Faut que je retrouve comment on crée le club par contre, ça va être embêtant. La tête. On va essayer de le faire assez rapidement, hein, le perso. C'est pas ce qui va nous intéresser le plus. Créer votre club. Voilà, c'est là qu'on veut y aller. Tac. Ah non, de mon coup. Ouais, c'est pareil. Non, parce que l'abréviation, je crois qu'on peut mettre que 2, que 3. CB. Ouais. Allez, c'est parti. On va en Ligue 2. Et on va remplacer. Qu'est-ce qui est pourri en Ligue 2? J'aurais bien dit, je remplace les derniers de Ligue 2, mais ça va pas plaire à tout le monde, je crois. En vrai, Annecy. L'équipe qui a la moins d'étoiles. Bastia, Annecy. J'enlève qui? Annecy ou Bastia? Enlever Annecy. Le rival. Mais ils sont plus là les Auxerrois, ah merde. Bah ce sera ça. Comment je fais après? Ok. Écusson. Vas-y, on fait ça. Bon, le stade, de toute façon, qu'on prenne le plus petit possible. On va laisser ça. On continue. Allez, let's go. La note de l'équipe. J'ai peur qu'une demi-étoile soit un peu juste quand même. Allez, on se met une demi-étoile et on va se mettre en. On va pas mettre très jeune, on va mettre jeune. Tac, 1 million parce que. Bah, petit club, on va pas avoir des attentes d'un géant. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire? Ah non, mais on s'en fout, les gars, on s'en fout, on s'en contrefout. Alors, niveau difficulté. On va rester champion. On va se mettre un peu de difficulté quand même, parce que champion, ça va être compliqué. Transfert activé, offre d'emploi international activé. C'est la transition du club et du joueur dans la négociation. Ça c'est dommage parce que pour le coup on a le choix que entre souple ou sévère, mais il n'y a pas de juste milieu quoi. Allez, on va mettre sévère, on va se mettre encore à la difficulté. Mesdames et messieurs,
Je vous demande à présent d'accueillir votre nouvel entraîneur. Eh oui, les gars. Alors, on va aller faire la plus simple. Hein. Grenoble, New York, Pau, c'est très bien, je crois. Ok. Allons voir le centre de formation. Jeunes joueurs, faites progresser vos joueurs dans votre centre de formation pour les faire progresser sur les besoins de l'équipe. Le plan de développement et la promotion. Ok, ça, ça, il n'y a pas grand chose qu'à changer. Des jeunes qui sont intéressants. Bah lui, il peut passer en équipe première, on a vu. Hein. Le niveau des joueurs en équipe première, 59. Il est presque prêt, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on attend de nous? En deux saisons, faire jouer au moins un joueur du centre de formation recruté lors de la première saison, lors d'au moins 50% des matchs. Wow, ok. Ah oui, pas facile. Mais ça... Ok. Ok, ça va être compliqué. Je cherche pas un jeu comme ça. Il faudra peut-être un peu de temps pour mesurer son apport, mais aujourd'hui, c'est un moment important. C'est son premier match sur ce banc. On va voir ça ensemble tout de suite. Des cartes de fou. En fait, il n'y a plus le charme de débuter que avec du bronze et galérer. Benjamin Da Silva et donc Omar Da Fonseca au micro pour vous faire vibrer pendant cette rencontre. Et le premier match donc dans cette coupe invitée, les Hurricanes contre Leyton Orient. On peut croire qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt au tournoi de pré-saison. Mais c'est une très bonne chose pour tester votre effectif. Attention à cette occasion. Oh, la première frappe. Oh, il s'en est fallu de peu, mais ce ballon est bien dégagé. Et voilà, une nouvelle ère commence pour le club avec l'arrivée d'un nouveau coach. L'événement aujourd'hui, bien sûr, c'est son premier match aux commandes de ce club. Et oui, ce qu'il faut surveiller dans ses premiers matchs, c'est sa sérénité, sa tranquillité. Ouais, on va essayer, Chachino. Si je suis en difficulté, je te fais rentrer. Voilà qui est très clair. Avec le ballon, les Hurricanes pour tenter quelque chose. Attention, grosse occasion. C'est contré, bien défendu par l'adversaire. Oui, dépossédé du ballon à la régulière. Oh oui, allez. C'est un bon ballon, ça. Mais quelle occasion face au but en plus. En tout cas pour l'ouverture de score. Comment on fait pour louper ça, les gars? Comment on fait pour louper ça? J'ai mis champion à Chachine. J'ai mis en champion là pour commencer. On va voir ce que ça a donné. Et si on voit que ça se passe pas mal en champion, on passera en légende. Oh oui! Et c'est au fond, voilà, avec ce premier but, la glace est rompue et ce match va débuter pour de bon. Magnifique, le premier but. Quel bombasse il vient de nous mettre, ça va tellement vite que personne ne peut intervenir. Bang! Magnifique. L'action continue, c'est une bonne séquence. Attention à ne pas perdre le ballon dans cette zone du terrain pour aller fixer dans l'axe. Allez, la frappe, c'est bien tenté. Énorme occasion manquée et donc les adversaires restent. Bon, j'espère que c'est vraiment l'adversaire qui est très très mauvais. Les mettre à l'abri. Attention au regret. Oh, pourquoi ça va pas à l'autre bout? Et voilà, l'arbitre qui siffle à l'instant. Et finalement, c'est perdu.
Oui, voilà, c'est une bonne séquence. Attention à cette frappe. Oh, non, le ballon frôle le cadre et manque sa cible. Je sais pas comment j'ai fait pour louper ça, les gars. Scandaleux. On est proche du scandale là. C'est un changement. Ah, le stade réclame une frappe. Ah, il est en jeu. L'arbitre indique le point de pénalty. On se chope un pénalty là-dessus. Toujours sanctionné. Le pénalty, c'est déjà une sanction très dure. Le pénalty est transformé sans d'emblée. Et voilà le 2-0. C'est farpé. La frappe qui vient se loger dans le coin du but. C'est absolument parfait et très efficace. Ah, voilà, comme le dit Omar, c'est farpé. Le coach est très satisfait par ce qu'il voit et on le comprend. Et avec ce but. Le duel avec mon petit jeune là. Voilà. Le ballon récupéré. Ah, salaud. Le ballon circule en attaque. Allez, la montée du défenseur central. Olé, belle technique là. À l'occasion, peut-être ici. Et le ballon part bien. Parfait. Et oui, c'est dedans. Bientôt la fin de ce match, mais encore des buts. Troisième but d'avance. Quelle démonstration. Magnifique. Regardez, tout va très vite dans cette contre-attaque. La récupération, la passe en profondeur, c'est parfaitement bien mené. Bon, le but, ce n'est pas le plus difficile à mettre, mais il vient conclure un bon mouvement. Ah, et l'avance est encore plus confortable. La montée payante du central, magnifique. Ryu. Oh, il aurait pu laisser. Il y avait un truc à faire là. Et une bonne victoire de l'équipe locale. J'aurais pu nous laisser jouer. Quel match, quel succès! La victoire se laisse séduire par le talent. Plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Et on joue contre un vrai concurrent. On espère que chez vous aussi vous êtes bien installé. Da Silva, Da Fonseca, la team Dada est bien titulaire aujourd'hui pour vous faire vivre ce match le plus intensément possible. Et le tournoi d'avant-saison qui continue avec cette deuxième rencontre de poule. Et il y a de la tension, mais aussi beaucoup d'impatience dans l'air. Oui, deuxième match de phase de groupe dans cette compétition. À l'occasion de faire parler sa frappe. Et c'est capté par le gardien sans danger réel. Attention, le ballon est rendu à l'adversaire. Et voilà le but. Goal ! À peine installé. Déjà un but. Allez ! On a un petit peu moins bien géré. Ils sont vraiment sur notre dos à chaque fois. Les Hurricanes qui tentent de construire. Ah, ça part très bien. Oh oui, non. C'est bien joué, mais toujours un manque de réussite. C'était surtout l'occasion en or de revenir à la hauteur. Il y avait mieux à faire. Ah voilà, il suffit de le dire. Et finalement, derrière, le ballon est perdu. Oui, il s'est bien fait ça. Touche à ça. Ouais, c'est la première fois qu'on est mené. Waouh. La faute et attention là, ce tacle et du coup on va voir ce que va dire l'arbitre. Et voilà un jaune très tôt dans le match, l'arbitre s'impose d'entrée. Oui, pour l'arbitre, c'est l'arbitre il a pas rigolé, hein. Une faute, un carton. Ce sera tolérance zéro. C'est maintenant au protagoniste de mettre face à face avec le gardien. Pas d'enjeu. Et c'est au fond. Ah. Allez, deuxième but pour cette équipe, ça fait 2-0. Ça a commencé d'être compliqué les gars. Avec Thomas, le ballon est mal donné et c'est perdu. Il peut oh là là, il joue bien. Hein. Bon, l'écart de niveau entre les deux équipes, entre la première équipe qu'on a joué et celle-ci, nous est un peu fatal. Là. On va essayer de jouer un petit peu autrement. Ok, donc Niort, c'était une des équipes les... Enfin, pas une des équipes les plus faibles, mais... Pas forcément une des meilleures équipes de Ligue 2. Et on voit que sur ce match, ils nous mangent. Attention, ça peut payer là-dessus. Quel tir puissant, mais le but n'est pas au rendez-vous.
sacré gâchis, hein, parce que manquer la cible à si près du but, c'est peut-être plus difficile encore. C'est rageant. Une petite minute de temps additionnel minimum. La frappe, sans aucun effort pour le gardien. Bon. Voilà, l'arbitre siffle à l'instant la fin des 45 premières minutes. C'est pas ouf. Ah, je croyais qu'il y avait 2-0, moi. Ah ouais. Ça va être dur. Ça va être très dur. C'est parti, le coup d'envoi de la deuxième mi-temps avec les Hurricanes qui sont menés au tableau d'affichage. Si on regarde le nombre d'occasions et le nombre de buts marqués, c'est parfait. C'est exactement la définition du bon match dans le dictionnaire. Ah, le gardien se détend avec ce plongeon. Ça aurait mérité mieux, ça. Hein, on aurait franchement mérité mieux sur cette action. Oh, tu fais trop long. Quelle intervention, elle est hyper importante. Ah, et le bon geste défensif pour couper l'attaque. Comme lui, il a pas mal Valentin au milieu. Ah, il peut prendre sa chance. Et voilà le but. Voilà. On revoit sur ces images comment le défenseur est battu sur ce ballon dès le départ. On est un peu moins ridicule. On voit ensuite la finition côté fermé qui trompe le gardien, qui me semble battu un peu trop facilement sur son premier poteau. Oui, bien fait ça. Deux minutes à jouer et ensuite tout le monde au vestiaire. Avec Valentin. Et peut-être le but pour revenir. La transversale remet le ballon en jeu. Non. C'est on aurait mérité mieux. On a eu un début de match un peu compliqué, mais on aurait mérité mieux quand même sur le sur la globalité. C'est mon avis. Tous les conditions de jeu idéales sur la pelouse et même en dehors, donc pour assister à un magnifique spectacle dans quelques secondes. C'est le coup d'envoi. Ici Benjamin Da Silva et j'ai donc à côté de moi le poète Omar Da Fonseca. Dernière rencontre dans cette phase de poule d'un tournoi. Dernière rencontre, on a joué que 3 clubs. On devine déjà dans l'atmosphère générale, c'est un match magnifique qui s'annonce. Pour l'instant, la ah bah oui, il y a deux poules, je suis con. Finir cette phase de groupe le mieux possible. Des propositions, ouais, magnifique ça. Inspirant pour gagner en confiance et consolider les fondamentaux avant le début de saison. Sur cette interception. Le fait. Et l'action continue, c'est une bonne séquence. Le tir, le réflexe sur ce ballon. C'est contré sans problème. Une lutte à la récupération, le duel est remporté dans le camp adverse. Et encore une autre intervention de sa part. Allez, petit corner. L'avantage dans ce match. Et ça y est, c'est la pause. L'arbitre vient dommage. De la mi-temps. C'est dommage. Et c'est reparti dans ce match, le début de la deuxième mi-temps. Ça y est, West Ham. Ah, la faute, elle est grossière et le geste est pas du tout maîtrisé. Attention, et logique, l'arbitre sort le carton jaune. Ça me semble être la bonne décision. Et pourquoi pas un tir ? Attention, pour mener au score peut-être. Et c'est au fond, voilà, avec ce premier but, la glace est rompue et ce match va débuter pour de bon. Magnifique, magnifique ce but. Impossible de lui prendre le ballon. Toute la défense s'y était mise, regardez, et puis finalement, le duel tourne à son avantage. But. Ah, le match reprend 1-0 dans cette partie donc. Deux joueurs qui se heurtent et ça fait but. Et oui, on le revoit sur ces
image avant de passer la ligne, le ballon est dévié, ça donne une trajectoire bizarre. Et avec ce but, score de parité, 1 partout. Précipité. Les Hurricanes qui tentent de construire. Ah, il y a de l'espace pour la tenter. Et oui, le tir. L'intervention réussie sur ce ballon. Oh, le gardien, comment il me sauve ça? C'est impossible. Arrêt de jeu et donc l'entraîneur. Occasion de la dernière chance, peut-être ah oui. Le but du chaos sur cette conclusion. Et ici l'occasion pour mener. Et but. Le but dans les derniers instants, dans les dernières minutes. C'est terrible pour l'adversaire. Ça c'est bon ça. L'impensable et l'impossible, ce qu'on n'aurait jamais imaginé, est bien là avec ce but en toute fin de match. Un but extrêmement important, il pourrait bien leur offrir la victoire. Il ne reste plus que quelques minutes à jouer, le suspense est garanti. Et le face-à-face à venir. Très belle frappe, mais de peu à côté. Dommage. Ça nous aurait mis à l'abri. On aurait été tranquille pour la fin. Non, pas là. Voilà, oh, le gardien s'impose facilement. C'est terminé. L'arbitre siffle la fin du temps réglementaire. Donc, avec cette défaite, je pense qu'avec 6 points, on devrait passer là. Avoir d'énormes qualités. Conférence de presse d'avant-match. Merci d'être venu à cette conférence. Je pense qu'on va pouvoir débuter. Alors. Sur leur fin, bah on fait 2 victoires. Mince, sur 3 matchs. On aurait pas abusé. Ça, on va essayer. Et on n'a pas de budget, frérot. C'est tout pour aujourd'hui. Merci. Avec plaisir. Allez, c'est parti. J'ai pas d'autre défenseur gauche. Ah si, j'ai lui. Peut-être je peux commencer avec lui. C'est ça. C'est parti pour le premier match de la saison de ces deux équipes. Salut à toutes et à tous. Quel plaisir de vous retrouver. Allez, let's go. Nous sommes bien installés dans notre cabine. On espère que chez vous aussi, vous êtes bien installés. Au commentaire, Benjamin Da Silva est celui qui est le soleil du drapeau argentin. On quel beau tifo. Et donc, dans quelques instants, le coup d'envoi de ce match et de cette saison pour ces deux équipes. Allez, c'est parti. Très important. Et on sent que tout le monde est impatient de voir débuter cette rencontre. Cette saison, la problématique pour cette équipe, c'est le maintien. Et le meilleur moyen de survivre... Mettre la pression tout de suite. Hein. Ouais, bien joué, c'est un bon mouvement. C'est trop loin des joueurs. Alors. Pour une frappe. Et voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Déjà le premier bon. But. Quelques minutes de jeu. C'est bon et c'est bon. Les Hurricanes qui tentent de construire. Oh, la frappe au but. Oh, ce ballon. Oh, je l'ai vu dedans. Eh bien tenté. Toujours ce petit but de retard. Je l'ai vu dedans, les gars. Mais.
Ah, il y a une faute, un contact, mais l'arbitre laisse l'action se développer. Avec le ballon, les Hurricanes pour tenter quelque chose. Oui, c'est bien fait, il est passé. Et le ballon parvient. Mais quelle occasion énorme d'égaliser. Quel gâchis. Qu'est-ce que c'est frustrant. On n'aura pas. Hein. On ne va pas y arriver, les gars. Occasion de se réjouir. Terre presse. Bien défendu. Voilà. Avec Valentin. On le voit, la possession est favorable à l'équipe locale, mais la possession sans la décision à la fin, ça ne sert pas à grand chose. Ça reste une domination stérile qui ne parvient pas. Revenez au jeu, regardez. Oui. Au fond des filets, l'égalisation. Et voilà donc ce match relancé. Et le premier but en championnat. On pense qu'être un buteur, c'est courir vite, mais non. C'est d'abord être toujours au bon endroit. Magnifique. La course de l'attaquant était parfaite. Et avec ce but, score de parité, un partout. Ah, du mouvement pour exploiter ce ballon. Et donc on a tenté quelque chose. On a tenté quelque chose. Au moins, on a tenté. Allez, la deuxième mi-temps. Oh, il faut qu'on aille prendre l'avantage. Les deux équipes semblent se surveiller l'une l'autre. Et au tableau d'affichage, c'est toujours le score de parité. Et ici l'occasion pour mener. Et oui, le but, ce but pour reprendre le dessus. Cette rencontre bascule à nouveau. Le poteau n'était pas forcément bien couvert, ce qui lui a permis de trouver un tout petit espace pour marquer. Je suis désespoir. Très haute précision qui vient frôler le poteau. Les stats le confirment, la possession n'est pas pour l'équipe visiteuse, mais la possession... Attention, ça peut faire but. Et tu peux pas jouer, tu peux pas jouer. Ce but qui leur permet de creuser des cas. Le latéral qui se sauve. Il aurait pu aller plus à gauche encore, il y aurait été, quoi. Et de faire le break, de longueur d'avance, la victoire sera prête. Un peu de coaching avec allez. Le changement. Alors que le c'est toujours un peu plus offensif, là. Allez, il faut essayer d'aller provoquer la défense. Allez, le ballon circule bien pour étirer le bloc. Attention, l'occasion pour revenir. Allez, contrer cette frappe. Changement pour Alors, de fraîcheur avec le remplacement. Voilà, on fait quoi là-dessus? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse là-dessus, quoi? Le corner bien tiré. Excellent marquage de la défense. Cette tête est sans danger. Un ballon rendu à l'adversaire. Ouais, ballon pour une frappe. Et surtout, n'hésitez pas à intervenir. Ah, il y a un contre à jouer maintenant. Ah, l'occasion de faire parler sa frappe. Ah, le gardien repousse. Attention, ce ballon qui traîne. Et le danger est toujours. Allez, 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 allez. Putain. Mais maintenant, fin au match. Ouais. Mauvais départ pour nous. Je comprends leur frustration après cette défaite. C'est rageant. C'est très rageant de commencer comme ça. On a vraiment essayé de faire le mieux possible, hein, mais... J'ai pas vu s'il y avait la... Ah. Merci à vous d'avoir accepté de nous répondre avant de regagner le vestiaire.
Bah oui, parce qu'on a plutôt... Bah, c'est le premier match. Confiance, il fait plutôt un bon match. Il est en vrai, c'est pas impossible que je mette titulaire le prochain. Merci, c'est gentil de nous avoir répondu. Bien sûr qu'on va rebondir, les gars. Soit parce qu'on a perdu le premier match, pas s'alarmer là-dessus. Crucial, c'est très bien. Trop, c'est trop, frérot. On va essayer d'aller. On va essayer d'y aller fort. Et voilà. Bien joué, ça. Ça, c'est bien joué, ça. Belle recrue. Eh oui. Magnifique. On va essayer de l'approcher lui, juste pour voir. Trois ans, ouais. Bon. C'est un monstre. Ok, moi j'ai plus de sous, mais par contre... Excellente affaire. Ah, je pense, oui, que c'est une excellente affaire, ouais. Ah, 70 seulement. Ah merde. Ah, je voyais meilleur que ça.